Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur cette map qu'on a chargée, la voilà, sur cette map Lost Potatoes, chapitre 3. Alors la dernière fois j'ai fail, j'ai posé le bouton ben, au mauvais endroit, c'était pas du tout ici qu'il fallait le poser. On m'a dit qu'il faut sortir, il faut suivre les lumières. Donc on va sortir, on va suivre les lumières, même dans les coffres. Je vais quand même, hop, me charger de l'épée. Alors on m'a dit... Dans l'eau, tu suis les lumières. Alors, dans l'eau, je suis les lumières. Ils les ont fumées, les lumières. Allez, petit mouton va encore se foutre ma gueule. Parce que je vais encore casser des murs alors qu'il y a des passages. Ça, c'est pour le coup du portillon. Ben, franchement, je l'ai jamais vu ce portillon, donc faudra que je retourne voir. Et elles sont où ces lumières? Y a rien. Attendez, voilà, je vais me noyer. Ce serait pas le coup. Il faut pas grimper là? Non, attendez, d'où je sais même plus d'où je viens. Ça y est, je suis perdu. On va partir. Peut-être je suis pas parti du bon côté aussi. Ça serait le bon plan en fait. Oh, que c'est agréable de jouer quand même avec une souris qui fonctionne. Oh, ça change la vie quoi. En fait, tout ce temps-là où je croyais que ça laguait et tout, en fait, c'est juste la souris qui déraillait. Au bout de 6 mois, j'ai compris qu'elle était pas sale, elle était juste défectueuse. Voilà les lumières. Alors, faut les suivre. Est-ce qu'il faut les suivre sous l'eau? A priori, oui. Alors, ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Checkpoint, yes. C'est chouette. Maintenant, je peux mourir tranquille. Alors, une porte. Ok, d'accord. Bon, ben, a priori, c'est ici qu'il fallait poser le bouton. J'entends une poule. J'entends une poule. Bon. Eh ben, on va se mettre en game mode 1. Hein? Et on va se give le bouton, hein. Hop. Et on se remet en game mode 2. Oh là là, quel tricheur ce Damien. Alors j'ai pas mal de bouffe, pas la peine de m'encombrer avec tout ça dans l'inventaire. Ça sert à rien, attention à ce livre, à pas le perdre. Hop, l'armure, c'est pareil, pas besoin de garder ça sur moi. J'aurais bien voulu des torches quand même. Et je vais mettre l'arc à portée de main. Ouais, du premier coup, ouais. Oh mince. Il y a des niais-niais. Une corde. Alors, puzzle 1, libérer le poulet. Oula. Oula. Qu'est-ce que c'est ça? Non, non, non. Oh non. Ok. Merci pour le checkpoint. Oh là, mais je vais jamais y arriver, moi. Je vais jamais y arriver, ça. Oh, ça, mais c'est, elle est plus dure que les deux autres là. Aïe, par contre, il y a un peu de bug. Mais même pour choper les araignées, c'est plus facile qu'avant quoi. Bon, celle-là, elle est un peu buggée. Allez! Ah, je vais pas mourir à cause d'un bug. Ah, je l'ai buté. Hein. Non, mais oh. Non, mais sérieux? Ah!
chaud. Elle est tombée dans la lave, celle-là. Ah non, elle était pas tombée dans la lave. Ah non, mais là, je vais mourir, quoi. Faut que j'attende que la vie remonte. On dirait qu'on peut aller en face. C'est si je reste là que je vais mourir. Hein. Wow. On dirait qu'elle me chope. C'est curieux, ça. Bon. On va essayer de tracer. Ah, le piège. Ok. Allez, deuxième fail. Mais ce coup-ci, je maîtrise. Ce coup-ci, je maîtrise. Je vais rage. Je vais rage quitte. Allez, j'arrive pas à passer la porte. Allez, il faut rush en fait. Mais je peux pas. Non, c'est parce que je l'ai mal fait. Allez, on va essayer de retraverser. Alors franchement, si je galère trop, je couperai les araignées. Hein. Vous me connaissez. Vous savez que moi, il faut pas me gonfler. Hein. Oh en plein saut. Ah, celle-là, c'était excellent ce qu'elle m'a fait. Celle-là, c'était excellent. Non, mais c'est trop dur, quoi. C'est trop dur. Alors, cette map, elle doit être. Elle peut être. Elle est conseillée d'être faite à deux joueurs. Bah, là, sur le coup, ouais, clairement, quoi. Elles peuvent m'atteindre ici. Ouais, elles peuvent m'atteindre. Hein. Eh ouais, elles peuvent m'atteindre. C'est un test. Cette mort ne compte pas. Non, elle ne compte pas. Mais faites-la, cette map. Il faudrait vraiment que vous la fassiez. Et qu'à chaque épisode, vous me disiez le temps que vous avez mis pour passer la porte. Le temps que vous avez mis pour passer les difficultés. Mais là, c'est dur, là. Non, on ne peut pas passer, là. Ah si, pourtant, regardez. Ah, mais je suis où, là? Ah ouais, d'accord, j'étais sur de la nether. Nether brick. Ou je sais pas sur quoi. En tout cas, j'étais pas dans la lave. Mais je suis mort quand même. Allez, ça doit faire 5 morts, ça, facile. Yes! Oh non, le double saut! J'avais réussi, là! Allez. On avance, on avance. On y arrive. Je vais y arriver. Je sens que je vais mettre un coup de peaceful, là, quand même. Le peaceful, ça fera rien, puisque... Ah. C'est pas du natural spawn, ça, c'est du... Ah ouais, mais ça va des pop, quand même. Non, mais on va pas tricher, mince. On a juste un obstacle à passer, quoi. Oh non, j'avais sauté, elle m'a chopé en plein vol. Non, sans les araignées, je peux y arriver. Sans les araignées, je peux y arriver. Allez, on va le passer. Moi, je vous ai dit, je suis un fou. Hein. Moi, je suis un tricheur. Oh, Damien le tricheur. Non, mais je veux juste poursuivre l'aventure, moi. Je m'en fous des fights. Je crois que même en peaceful je vais pas y arriver les gars. Allez, on essaye encore un coup. En fait je vais me TP à la fin du jeu quoi. Je vais me TP à la fin de la map. Ça va être fini comme ça en fait. Hop. J'ai loupé mon saut. Eh oui, j'ai pas couru. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Courage. Ah, comme vous devez vous poiler. Déjà, la porte, là, c'est la première difficulté. Ça va, ce coup-ci, j'ai réussi à passer la porte. Ça a l'air tout con, mais pour moi, c'est énorme. Je vais tomber pour me recentrer sur l'échelle. Allez, est-ce que j'y arrive ? Ouais. Et après... Oh là là, mais ça a l'air dur encore. Il
Alors, il faut sauter là. Hop, ok. Et là, on utilise l'épée. Il y a juste un truc. Je crois que j'ai oublié la poule. Parce que depuis tout à l'heure, on entend des poules. Je crois, depuis tout à l'heure, on entend des poules. Et là, on les entend plus. J'ai une corde. Oh, vous pariez que j'ai oublié la poule? Ah, un coffre. Oh, je suis sûr que j'ai fail, quoi. Bon, tant pis pour la poule. Oh, yes. Faudrait peut-être que je me remette en mode comme il faut, quoi. Alors, hop, option. En easy, ce serait pour moi, quoi. Mais bon, on a dit normal. Alors, on va se mettre en normal. Allez. C'est parti. Trouvons la suite. Oh, que c'est plus fluide qu'avant. Alors, moi, je croyais que c'était l'écran. En fait, c'était juste. C'était juste la souris, quoi. Le fail. Alors, puzzle 3. Puzzle 2. Énigme 2. Les trois boutons. Ils sont où les boutons? Ok. Ça sent le piège, regardez ça. Ok. Ok. Alors, on arrive dans une salle mystérieuse. On a un escalier ici. Alors, on a trouvé du verre. Alors, je ne sais pas à quoi ça peut servir, mais alors, du tout. Là, il y a le feu. Pourquoi est-ce que ça crame? Il y a un autre coffre. On a un autre verre teinté. Oh punaise! D'accord. Ok. Non, je sais pas ce que c'est tous ces boutons. Non, sérieux? Je dois pas trouver les trois bons quand même. Bon, on va voir. Il y a une indication ici. Ah, d'accord. Glass plane will show you the buttons. Donc, vu qu'il y a trois boutons, à mon avis, il doit y avoir trois glass planes. Donc, il doit m'en manquer un. Je suis en train de massacrer mon épée. J'espère qu'il va m'en rester un bout quand même à la fin. Hein. Ah voilà, le dernier coffre. Alors, on a un gâteau. Pourquoi pas des torches, ça me plaît. Moi, j'aime bien les torches. Ah ben, j'ai une nouvelle épée. Ça, c'est très très bien. J'ai pas trouvé de troisième glass plane. On va encore chercher. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le livre? D'accord, donc pour l'instant, ça, on va pas le lire. C'est un indice. Bon, bah, peut-être qu'il fallait que. Ah, regardez! Les couleurs au sol, quoi. Et un vert. Il va y avoir un truc avec les couleurs au sol. Ok. Je pense que c'est ça. D'accord. J'ai compris. Je crois que j'ai compris. Ça va être juste le coup de réussir à monter dessus, en fait. Ah, je vais rage. Mais c'est pas possible. Mais c'est dingue.
Alors si je monte dessus, il faut que je monte, hein, sinon je saurais pas où je dois tirer quoi. Allez, on va essayer un dernier coup. Ah, c'est fou, c'est dur, hein, c'est vraiment dur. Pour quelqu'un qui a pas l'habitude de faire de la grimpette là. Je suis monté là? Bon, j'en ai aucune idée. En tout cas, c'est pas lui, je pense que ça devrait être lui. Je l'ai chopé. À mon avis, non. La fois, ça doit pas être ça. Mais normalement, ouais, on doit grimper sur les poteaux. Ah, mais attendez. J'ai eu le bleu clair, le bleu foncé. En fait, ça veut juste dire que c'est sur celui dont j'ai pas le panneau qu'il faut monter, le vert, donc. C'est ça. En fait, c'est ici qu'il faut. D'accord, ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé. J'ai résolu le mystère. Enfin, je crois. Le tout est de grimper sur ce fichu poteau à la noix là. C'est pas vrai! Au dernier essai, si ça marche pas, je refais un game mode. Je vous préviens. Alors. Non, j'arrive pas à monter dessus. On va passer en game mode. Hop. Et on va se faire un fly. Ah non, mince, je me suis mis en deux, c'était en un. C'est fou ça. Je sens que cette map va être très compliquée. Alors, ça devrait être ici. Je pense que je l'ai raté. Je l'ai touché là. Allez, on va lire les indices. Utilisez votre tête. Non. Appelez Indiana Jones, MacGyver et Robin des Bois dans cet ordre. Non. Ok, alors cherchez pour les panneaux de glace. Mettez-les au sommet des A. Ok. Oh mazette, j'ai rien compris. Alors, cherchez pour les. Donc, il m'en manque un. Hein. Il m'en manque un. Mettez-les en haut des poteaux. Oui. En face des barres de fer. Ok. Ensuite, marchez sur les moitiés de dalles. Près des blocs d'argile. Et regardez à travers. D'accord. Ouh. Ok. Ouah, c'est super compliqué en fait. Alors, on va utiliser celui-là, je pense. Ça me paraît bien. Oh, c'était complexe. Ok, donc c'est sur cette. Sur celle-là. C'est faux. Juste que j'arrive à la choper. Ensuite, hop. Et moi qui voulais grimper dessus, mais on peut pas. Ah, je suis en game mode encore. Le boulet. Voilà. Alors ensuite, on revient. Ah, c'est joli la map. C'est super joli, j'avais pas vu. Les bouts de map qu'on va récolter pour se faire la map complète. Alors, et ici, ok.
Loupé. C'est bon, il n'y en a plus qu'une à voir. Il faut juste que je trouve le coffre avec le miroir de couleur verte. On dirait une sortie ici. Où est-ce qu'il se cache? Alors là, on a vu que c'était pas là. Est-ce que ça serait pas dans le coin là? Non, ici on a vu, il y avait un coffre tout à l'heure. On va jeter un œil par ici. On va essayer de pas se casser la gueule non plus. Ah, il est là. Non, je l'ai fait. Où est le dernier coffre? Zut, je suis coincé. Où est le dernier coffre? Ah, mais il est bien planqué le saloupio. C'est le truc de fou quoi. C'est pas possible. C'est dingue. Non mais sérieux quoi. Je suis pas capable de trouver un coffre. Oh mais allô. En fait, il est de l'autre côté. Hein. Si j'éteignais ces flammes, non? Je peux pas? Curieux. Ah ben oui, je suis en mode aventure, je suis bête. Je n'ai pas le droit. Bon, ben le dernier coffre, franchement, il est bien planqué, hein. Il est vraiment bien planqué, les amis. Ah, vous devez être mort de rire là. Hein. Mort de rire que je ne trouve pas le coffre. Bon, vous savez ce qu'on va faire. De toute façon, on arrive à la fin de l'épisode. Je pense qu'on verra la semaine prochaine. Alors, j'ai pas vu. Mais j'avais les blocs que j'avais. Hein. Oh, bah, j'aurais même pu hop, le poser et le casser pour être sûr de pas tricher. Voilà. Donc on va remonter tranquillement et je pense que ce bloc, eh bien, on va le chercher à partir de la semaine prochaine dans le prochain épisode. Je crois que j'ai fail, hein. J'ai pas récupéré le cochon. Déjà, ça, c'est mal parti cette map. Aujourd'hui, j'ai utilisé deux fois le game mode. Ça craint quoi. Vous savez quoi? Attendez. J'ai pas vraiment besoin du bloc de toute façon. Je suis pas débile. Voilà. On va la finir cette map. Je l'ai pas eu. J'ai pas dû planter la flèche. Ah, elle est tombée. Ah, bah là c'est bon là. Ouais, je suis pas bon pour ça, hein, je vous le dis. Bon, là, les autres, ils sont déjà plus activés. C'est où? Hop. Et celui-là. Et on va se faire le dernier. Je suis dessus. Avec une flèche, j'arrive à activer tous les boutons de la map. C'est pas mal. Est-ce que c'est en haut? Non? Non, a priori, je ne trouve pas. Allez, on va faire comme j'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine. C'est un carnage. Ah? Ça y est, ça s'est ouvert. On a entendu, ça s'est ouvert. Alors je sais pas où, mais on a entendu quelque chose. Hein. Je crois que ça s'est activé. On a bien entendu quelque chose s'activer. Hein. Je vais pas réussir à le finir cet épisode. Là, regardez. Il y a rien. Ah! Le coffre. Il était là. Mais j'ai entendu un truc là, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Chut.
Mais c'est fou! Est-ce qu'on va y arriver? Attendez, il me reste quelques flèches, hein. Alors. Donc c'était celui-là. Bon, on va s'avancer un peu. Et je pense qu'il est activé là. J'ai bien une flèche dedans. On va se positionner à l'autre. Là, il n'y est plus. Donc, on va remettre, hop, une flèche. Hop, en haut. Je crois que c'est bon. Voilà. Et on va au dernier. C'est un truc de fou. Et il y en a deux là-dedans. J'en vois deux dedans. C'est lequel le bon? Le fail. Ça y est. C'est bon. Non, vite, vite. On passe. On court. Ok. Ouh. Bon, les trois boutons, c'était la galère. Allez. Prochain puzzle. Prochaine énigme. Chase. Il n'y a pas de checkpoint. Ah, ça c'est dommage. J'espère que j'aurai pas à tout refaire. En tout cas, on va en rester là, les amis. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le troisième épisode. J'espère qu'il y aura moins de fails. Mais bon, on continue à progresser. Allez, sur ce, je vous dis bye bye. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.